Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo partie 2 de ma précédente vidéo. Je vous avais montré notre journée et donc ensuite je vous avais dit que j'allais vous reprendre le soir, mais c'était assez long déjà. Donc je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo pour la partie soirée. Comme je vous ai dit, on a décidé d'aller voir un feu d'artifice qui avait lieu ce jour-là. Et je vous embarque avec moi et ensuite on va faire un petit tour dans Montréal, etc. Franchement, c'était trop bien. Là, là, vous allez entendre plein de bruit là. Bon, les filles, on essaye d'aller passer de l'autre côté pour voir le feu d'artifice qui est en train de se jouer actuellement, mais on est bloqué. Donc, va-t-on le voir, ne va-t-on pas le voir? Je ne sais guère. Je voulais régler ça en même temps. Une fois le feu d'artifice terminé, franchement il était très beau. On a décidé d'aller faire un petit tour dans Montréal, dans la vieille ville, sur le vieux port, et bon, de visiter un petit peu tous les endroits qui étaient à côté puisqu'on était sur place. Il y avait énormément de monde qui était venu voir le feu d'artifice forcément, et donc c'est pour ça que vous voyez énormément de monde. On a eu un petit peu de mal d'ailleurs à passer le pont parce qu'il l'avait bloqué pour rejoindre l'autre côté, Montréal. Donc on a dû faire un petit détour, mais bon, c'est pas si grave. Franchement, il y avait une bonne ambiance, il faisait bon et franchement, on a trop rigolé. On est passé par ce magnifique pont pour se rendre dans la ville de Montréal. Et d'ailleurs, j'avais l'impression qu'en passant comme ça, vous savez, les gratte-ciel et tout ce qui est dans la ville, ça m'a fait penser à New York, mais en mini. Vous voyez les gratte-ciel, le pont, bref, en tout cas, juste pour faire une petite aparté, j'ai pris ma mini caméra, donc ben, pour rester, on va dire, discrète, pour pas me faire remarquer, plutôt que la grosse, sauf que celle-ci n'a pas de flash, donc vous aurez des images parfois qui sont un petit peu plus sombres que d'autres. Voilà, donc je voulais m'excuser, mais je voulais quand même vous partager cette vidéo, puisque j'ai beaucoup aimé ce moment. Surtout que certaines voulaient que je filme plutôt dans les magasins, d'autres voulaient que je filme plutôt dans les espaces verts. Bref, donc comme ça, moi j'essaye de satisfaire le plus grand nombre comme je peux. Donc ici, on était sur le vieux port, on était au vieux port et franchement, c'est vraiment magnifique. En plus, vous avez, bon là, il était un petit peu tard quand même, mais vous avez plein de petites, vous savez, de petits chalets, de petits stands comme ça, de nourriture avec un petit peu tout, des glaces, des churros, des crêpes, des gaufres, bref, vraiment
pas mal de choses, je crois. Il y a même des bijoux, des vraiment plein de petits marchands. C'est trop joli. Et voilà, les bateaux comme ça, vous avez la grande roue. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous partage tout. Il y avait énormément de monde, mais vraiment beaucoup de monde. Pourtant, on était, je sais pas, quasi 23h, 23h30, minuit. Et il y avait beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de familles surtout. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de touristes aussi. Mais vraiment, il y avait pour tous les goûts, pour toutes les activités. Il y avait de la tyrolienne, il y a des gens qui étaient sur les bateaux, il y a des gens qui venaient manger des glaces. Vraiment, il y en avait pour tous ceux qui voulaient faire quelque chose, il y avait moyen de faire quelque chose en fait. Les restos étaient ouverts. Après, je pense que c'est surtout parce que voilà, c'est le centre-ville, c'est touristique, etc. Ça reste peut-être un peu plus tard aussi. Regardez-moi cette magnifique grande roue au milieu de l'eau limite. Franchement, trop beau. Ah, j'étais pas prête, On hein. avait pas dit, mais regarde les amis. Parce que j'ai mal pour lui. Ah. Oh là là. Elle a dit sacré pas. Là, je l'ai bien capté celui-là en tout cas. Je vous montre ici la fameuse grande roue avec le J'aime Montréal. C'est ici que, on va dire, tous les touristes font leurs photos, leurs meilleures photos, ont leurs meilleurs souvenirs. Comme vous pouvez voir juste sur le côté avec le cœur et tout, c'était trop beau. Bien sûr que moi aussi, j'ai fait ma meilleure photo devant le J'aime Montréal. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de vous le filmer de jour, mais ça doit être aussi franchement magnifique. Mais c'est pas grave. Au moins, je me suis dit comme ça, vous l'aurez vu peut-être une fois si vous vous y êtes jamais allé, même si c'est de nuit. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, ce que j'ai aimé, c'est que il y avait beaucoup de familles. En fait, ça m'a surpris. Enfin, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du vélo aussi. Vu l'heure, ça m'a aussi surprise. Hey. On est en contre, ça va, des fois il y a des petites lumières. Voilà, donc là on est en train de visiter le vieux port. On a fait la petite photo souvenir que vous voyez derrière. Oh là là, regarde l'ouf. Non mais tu vois ou pas? Ah, j'ai envie de marcher comme ça. Non, franchement c'est trop beau, en plus c'est dynamique, il y a plein de monde, il y a plein de familles, il y a vraiment, il y a... Je regarde en face, j'ai vu un hijab, j'allais dire, il y a plein de hijabs. Ça, par contre, c'est vrai. Non, mais franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de Marocains et tout. Je les entends parler dans la langue marocaine. Et j'aurais pas cru. Écoutez, ça donne un petit côté de Maroc. Il y a plein de petits magasins. Bon, là, ils ont fermé, mais bon, peut-être on les verra demain si on vient. Et je vous montrerai. Bon, forcément, il faisait hyper chaud. Il y avait un glacier devant moi, donc j'avais trop envie d'une glace. Surtout qu'ils sont trop trop bonnes, leurs glaces italiennes là-bas. J'aime bien, elles sont bien épaisses, vous savez, au lait. Merci. Ah, c'est ça, caramel. Merci. Bye. Mais je suis choquée, frère. Moi, je croyais qu'il allait me mettre un truc de. Non, lui, il l'a rentré dedans. Hey, voilà, je suis choquée, non, mais c'est quoi ça? Je jure, c'est pas du topping, ça, c'est du fourrage. Ouais. C'est du glaçage. Voilà, je suis choquée. Hey, je croyais qu'il allait mettre un petit filet, moi, genre hop. Attends, t'as cru que c'était C'est genre le sundae, le. quoi. Oui. Ah ouais, mais Rentre dedans, voir, du coup, tu attends, vas avoir attends. le blanc. Ouais, grave. Bon, du coup, moi, j'ai pris une. Hey, j'ose même pas le dire. J'ai pris une glace avec un coulis de caramel. Caramel salé. Donc écoutez, apparemment c'est ça le coulis de caramel. C'est même plus un coulis. Mais c'est épais de fou. On dirait Hey, c'est trop bon.
On dirait voilà, c'est trop bon. Attendez, faut que je regoute. Ah, c'est bon, T'as déjà goûté, sérieux? Voilà, c'est bon, tu as goûté? Non, c'est trop bon. Mais ça ressemble au truc du Magnum, qu'il y a autour du Magnum. Ouais. Mais tu vois comment c'est fait. Oh non, t'es malade, toi, regarde, t'es maladie, j'ai oublié. Non, mais c'est bon. Je suis choquée. Après mon petit choc culinaire, franchement, c'était trop, trop bon. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, vous savez, parfois, vous allez dans certains endroits. Moi, ça m'arrive beaucoup ici. Les glaces italiennes, pour certains endroits, je précise, en fait, c'est juste un mix. Ils mettent une poudre dans la machine, ils mélangent avec de l'eau et voilà. Après, ça sort en mode glace italienne, mais en vrai, c'est juste un mélange à base d'eau. Et là-bas, c'est vraiment au lait. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on est parti visiter le vieux Montréal que j'ai trouvé trop, trop beau. Limite, il y avait des rues qui me faisaient penser un petit peu à la Vallée Village, un petit peu à Paris, si vous connaissez. J'ai trouvé vraiment ça beau. Là, on était du côté vieux port, donc du vieux Montréal. Et le côté, en fait, centre-ville, vraiment centre-ville, c'est plus du côté building. Voilà, pour vous situer un petit peu, pour celles qui ne connaissent pas trop. Mais franchement, on a beaucoup marché ce jour-là. Là, il était 1h du matin, pour vous dire. Et franchement, on a tellement, tellement marché. On a fait tout le tour à pied. On est passé par cette allée magnifique aussi, d'ailleurs, où j'ai filmé un réel pour Instagram. J'ai trouvé ce petit coin trop, trop beau, trop mignon. Donc, j'en ai profité. Je trouvais que c'était un spot magnifique. Franchement, il est quelle heure? Il doit être prêt à quasi 1h du matin. Les gens, ils mangent au calme. Pourquoi? C'est un truc de fond. Genre, ouais, grave. Chez nous, tout ferme à 20h. Ce qui est top, c'est que bah, vu que j'étais avec quelqu'un qui vit là-bas, forcément j'avais un petit peu une visite guidée des choses, on va dire, les plus connues, voilà, des petites anecdotes, etc. Ça, c'était super par contre, parce que quand on est simple touriste et qu'on n'y est jamais allé, on ne sait pas forcément où aller directement. 1h du soir. Genre. En fait, c'est comme une. Hey. Ah. Tu sais, ça me fait penser à quoi ici? Ça me fait penser à Marne-la-Vallée, au village de Disney. On dirait un tribunal. Meuf, on parle en train de parler. Et le muscle n'est pas. Je jure. Même les camions poubelles, ils sont stylés. Il y a un ange carrément là-bas. En vrai. Il y a du Halloween. Je sais pas si c'était une crêpe du coup.
est si horrible que ça à l'Halloween. Voilà, je crois que c'était ça. On a tellement marché, on est arrivé à côté d'un petit, enfin d'un parc. J'ai vu une fontaine, une statue, je me suis dit que j'allais aller voir. Donc après, on n'est pas descendu dans le parc, il faisait hyper sombre en fait, dedans. Et je me sentais pas trop sécure, même si en vrai, franchement, il n'y a pas de problème pour vous dire. Là, il était 2h du mat. Les gens, c'était normal. Mais en tout cas, la vue de du haut de ce parc, ça m'a fait penser au petit New York comme ça avec les buildings. J'ai trouvé ça super joli de nuit, surtout parce que de jour, bon, il n'y a pas les lumières, etc. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super beau. En vrai, ça rend pas vraiment justice en caméra, mais c'était hyper beau. Ensuite, on s'est posé sur un banc et on a rigolé pendant une heure jusqu'à en pleurer de rire. Il y a énormément de monde, plus que si on était en journée. On est passé mettre de l'essence avant de reprendre la route. On était dans une rue. C'était blindé de monde, mais encore plus que au Vieux-Port. Il était 2h du matin, c'était noir de monde, mais juste cette rue-ci. Alors, je sais pas c'est quelle rue, je pense que c'est là où il y a où les gens font leur soirée, etc. Mais c'était affolant le monde qu'il y avait, ça m'a surprise. Bon, les filles, vous allez pas bien me voir. Je vais clôturer la vidéo ici. On a bien visité, on a bien marché, on a bien rigolé. Franchement, un fou rire. On s'est posé devant des petits qui faisaient du skate et franchement, un fou rire. Il y en avait un. Vélo. Ouais, du vélo, pardon. Du vélo acrobatique en fait. Et il y en a un miskin quoi. Il avait rien à voir avec le groupe. Vraiment, il arrêtait pas de tomber. Bref, il nous a fait. Franchement, il a refait. Hey, j'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire. Ça faisait longtemps. En tout cas, c'était trop bien. J'espère que ces petits vlogs avec moi vous plaisent. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !